Du coup, ok, du coup, tutoriel pour... Du coup, ouais, tutoriel pour dessiner un œil manga. Alors, on va utiliser... on va utiliser Paint. Parce que putain de pourquoi pas, genre, je vais pas demander ton avis. Ok, du coup, Paint... Merde. Ok, capture de fenêtre. Du coup, ouais, du coup vous ouvrez Paint. Et je sais pas, vous savez ouvrir Paint. J'ai pas besoin de vous montrer, vous êtes pas con quoi. Vous prenez votre stylo de tablette graphique. Et genre, vous dessinez. Et la première chose qu'il faut faire, c'est. Et le deuxième, c'est un trait comme ça. Bravo! Vous êtes fort. Ensuite, quand vous avez... yeux manga... merde. C'est pas ce que vous croyez. Du coup, vous prenez votre yeux manga... Et... Par contre, vous prenez pas de référence, hein. C'est pas bien de copier et de voler, hein. Il faut faire ça au talent. Parce que... pourquoi tu dessines si t'as pas de talent? T'es con ou... Du coup, vous faites genre... un trait au-dessus... Et vous remplissez en noir, parce que c'est comme ça que les vraiment les cas ils font. Quand vous avez rempli votre trait en noir en dessous, vous refaites un rond à l'intérieur de votre œil. Et ok, vous avez un œil. Et vous faites un trait au-dessus pour le sourcil. Ou quoi? Ensuite, bah... Faites la même chose de l'autre côté. Après, on peut faire des... Il y a d'autres types de yeux manga. Il y a genre... Ouais, tu peux faire plusieurs formes pour tes yeux manga. T'es pas obligé de faire des formes précises comme j'ai faites. Et tu peux juste rajouter un rond intérieur et des sourcils. Et du coup, ça... Après, ça, c'est des yeux de personnes pas contentes. Mais je le ferai pour un autre tutoriel. Si vous avez de la peine à faire des yeux manga, n'hésitez pas à faire un quadrillage. Comme ça, vous dessinez votre yeux manga dans le rectangle. Et oubliez surtout pas... Tutoriel pour dessiner un œil manga. Ouais. Alors on va utiliser... Puis bon, hein, c'était le tutoriel. Si t'as pas MS Paint, ça marche pas. Parce que ça marche que sur MS Paint, Photoshop, Clipped Studio, Medibank, c'est de la merde. Hein. Personne n'utilise ce genre de logiciel. Genre, si t'es pro, t'es sur MS Paint. Et si on remet en question ce que je dis, bah nique. Ensuite, bah, si t'y arrives pas, bah, t'as pas de talent. Et si tu veux avoir du talent, bah, tu dessines. Hein? Casse pas les couilles! Allez, faites-moi des dons, donnez-moi tout votre argent, et si t'es pas d'accord avec ce que je dis, bah c'est juste que t'es un rageux. Allez.